سبيله حتى سبيله أكمل من شاف. طيب جدا. عندهم لطيف لازم تيجي عندهم مرحبا مرحبا نظام نظام عارفه هذا بردي حكي علوشة هلا بفرق صوت تليفون صوت هاي اسراري اشكركم اشكركم ما جا رينا ما واحد مرحبا زين مواسم توافي ما شاء الله ما تحسبش زين انت أندر مود المحفوظ دول حقهم يراوغوا اليواش ها تدخل النقر بكي اخي شفت راس على خبر يرجع لا تقرا لا تقرا لا خلوا لي جورناليست وحدهم هما اللي تحت ايوه حتى وتشاور وتغير بعض اذا وحده ترى ما كان Moi je crois que ça va être ça. Non, non, ma vache, voilà. Mais... qui sont par ici ce matin. J'aime beaucoup les trucs. J'ai fait une photo avec mon pote. Non, je pense pas. Oui. Mais. Camara, comme tu l'as dit, c'est une cause nationale. Oui. Mais je ne... I'm Nous leur demandons de préparer leurs bagages. La place n'est pas ici en Mauritanie. Ce qui divise les peuples, ce qui méprise les Noirs, ce qui règne l'injustice, ce qui monopolise l'économie, nous qu'à savoir que leur place n'est pas ici. Et que notre leader, président Birahim Abid, va avec l'appui des gens de l'Iran définir le système. Maintenant, la parole est à notre président, Birahim Abid. Levez votre main, s'il vous plaît. Votre main, s'il vous plaît, ça pour vous. خلوا الصحابة خلوا الصحابة. صار موريتان اللي عندهم المساجين بصيغة ما قانونية في سجون موريتان شرعية وقانونية. وراني قايل من المنبر وزواجهم انعدموا بصيغه ما شرعيه ذيك الساعه في التسعينات وفي الثمانينات على النواب في الزويرات وفي نواليب وفي تعزيازت وفي جوجت ويسوى عمان زور. وحكومه موريتان وتلبينار موريتان عنهم إلى عاد واسع عن والتهديد بالقتل والإعدام والموت ما ينفع فيا. أنا اللي ينفع فيا إلا مسألتين، وين حبسوا ملاك العبيد وكنت سمان الكلاشة واللام طلبيات ينزاروا بدوك ويحقق دين الخارج. ندوروا ذيك الأحزاب وذيك الشخصيات اللي طلبت عنا ننعدموا. ما نبقيهم هما جود رديد Les milliers de militants et de militantes d'Irak qui ont quitté tous les coins de la Mauritanie pour venir m'accueillir, toute ma gratitude, tous mes remerciements de leur accompagnement indéfectible à toutes les actions que j'ai menées au nom de l'Iran en tant que président, de tous les actes forts que j'ai pesés pour lutter contre l'injustice et déconstruire le système des inégalités, le système de la gouvernance raciste et esclavagiste qui est érigé en Mauritanie depuis sa naissance. Je voudrais leur dire que notre dissidence idéologique contre le système, notre insurrection morale contre le système, notre rébellion pacifique et par la pensée contre le système va continuer encore à jouer le rôle d'une lame de sape contre le système jusqu'à son écroulement. Je voudrais dire que notre engagement est un engagement au profit des victimes de l'esclavage, au profit des victimes de toutes sortes d'arbitraires, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelles que soient leurs ethnies ou leurs couleurs. Notre engagement est au profit des populations noires victimes d'épuration ethnique pendant les années de Brest et qui n'ont pas vu encore ces injustices redressées, corrigées par l'État qui en est responsable. Je voudrais dire que nous nous dressons toujours et indéfectiblement, en tous lieux et en toutes circonstances, à côté des veuves et des orphelins, des cadres et personnalités noires assassinés par le système entre les années 1986 et 1992. Je voudrais dire que l'État mauritanien doit répondre aux demandes légitimes de toutes ces tranches de victimes de violations des droits de l'homme. Je voudrais réitérer ici toute ma dénonciation de l'enrôlement qui prend la tournure d'une séquestration d'une partie de la population mauritanienne de leur identité, de leur nationalité. Je m'insurge contre l'imposition d'un document étranger à la Mauritanie, l'imposition d'un document aux ressortissants mauritaniens à l'étranger comme condition à leur enrôlement, ce qui est injuste et ce qui est une tentative que nous dénonçons ici et qui est de très mauvaise foi, de priver une partie des Mauritaniens, notamment ceux de la diaspora, de leur identité. Je réitère ici ma position que nous renvoyons deux ados, les deux têtes du serpent, les deux têtes du même système, les systèmes esclavagistes et racistes, les systèmes prédateurs des droits de l'homme que sont l'opposition et le pouvoir. Je leur lance ici un appel pour leur dire de respecter les Mauritaniens, de respecter les populations mauritaniennes victimes d'injustice, d'esclavage et de racisme. Je leur dis ici qu'aucun pouvoir ne se maintiendra, qu'aucun homme, qu'aucun gouvernement ne se maintiendra au pouvoir sans le soutien de l'IRA et qu'aucun groupe n'accédera au pouvoir sans le soutien de l'IRA. L'IRA est devenu l'arbitre, vu sa popularité, vu sa force charismatique, vu sa force d'activisme, vu sa force des cadres, vu sa force de ses personnalités. C'est pourquoi je leur lance un appel pour revenir à la raison. La Mauritanie doit entamer un processus de déconstruction, du système raciste et esclavagiste qui se vit toujours en Mauritanie. Le vernis ne colle plus. Le vernis ne colle plus et le militantisme de l'IRA, la conscientisation des populations que l'IRA a opérées, ne permet plus aux populations de se taire ou d'accepter les solutions trompe-l'œil. C'est pourquoi je lance un appel à la classe politique mauritanienne, qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition, d'opérer son processus de changement et de transformation et de réajustement vers la déléance, vers les déléances des populations victimes, hélas, très nombreuses et qui sont les seuls maîtres de la destinée de ce pays. Et je vous remercie. الشيخ علي تضرب ورقه